La veille du début des grandes vacances, si vous êtes en train de préparer vos valises, choisissez bien votre crème solaire pour vos enfants. Deux associations de défense de l'environnement veulent saisir l'agence sanitaire, l'ANSES, pour évaluer le rapport bénéfice-risque de certaines substances. Et nous sommes avec Magali Ringot, coordinatrice des campagnes d'Agir pour l'environnement. Bonjour. Bonjour. Vous avez analysé 71 produits solaires pour enfants et vous avez retrouvé 29 substances préoccupantes. De quoi parle-t-on ? Alors, on a décrypté les étiquettes de 71 produits solaires et on a trouvé dans tous ces produits solaires au moins une substance très préoccupante. Qu'est-ce que vous appelez préoccupante ? Ça veut dire quoi ? Alors, il y a des perturbateurs endocriniens suspectés ou avérés. Il y a des substances type nanoparticulaires, comme le dioxyde de titane nano ou l'oxyde de zinc nano. Mmh. On a aussi des substances toxiques pour le milieu aquatique, avec des effets bioaccumulables sur le long terme, qui peuvent nuire au corail. On a souvent l'image du corail, mais aussi au phytoplancton, par exemple, qui est à la base de la chaîne alimentaire. Et donc, on retrouve in fine dans nos assiettes. On a vraiment essayé d'embrasser tous les effets, à la fois sur la santé et sur l'environnement de ces substances. Mmh. Il y a aussi des allergènes, des substances irritantes et des substances potentiellement cancérigènes. Cancérigènes ? Oui, oui, oui. Alors, c'est des cancérigènes possibles, comme le dioxyde de titane nanoparticulaire, en cas d'inhalation. Mais oui, c'est reconnu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais ce sont des substances qui ne sont pas interdites ? Non. Alors, certaines devraient l'être prochainement, mais on s'aperçoit que la réglementation est à la traîne. Ça ne va pas assez vite. Et là, on parle d'enfants, d'une exposition chronique à une période où ils sont particulièrement sensibles à des substances chimiques. Mmh. Il s'agit d'une pollution chimique, certes à faible dose, mais qui, tout au long de la vie, peut en fait faciliter certaines maladies chroniques. Alors, c'est les maladies de civilisation qui explosent, les troubles de la reproduction, la puberté précoce, l'obésité. On a aussi. Oui, mais on parle de quantité infime, parce que là, vous vous rendez compte qu'on est en train d'affoler tout le monde. Oui, oui. Il n'y a pas d'alerte rouge. Il faut juste faire attention aux étiquettes. C'est un risque potentiel. En fait, on baigne dans un bain chimique et effectivement, il n'y a pas que les cosmétiques qui nous exposent à ces substances chimiques. Effectivement, ce sont des faibles doses, mais on sait maintenant que le poison ne fait pas toujours la maladie, en fait. C'est des faibles doses et souvent combinées entre elles avec un effet cocktail qui est insuffisamment évalué. Et c'est une exposition chronique avec des effets cumulés sur le long terme. D'accord. Et nous, on veut tirer la sonnette d'alarme parce que pour les enfants, on estime, en tout cas nous, on a identifié 29 substances, dont 10 qui doivent être interdites au plus vite parce qu'on ne veut pas que nos enfants soient des cobayes. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous donner des conseils pour bien choisir notre crème solaire ? Rapidement, à quoi doit-on faire attention ? Le premier conseil, c'est déjà de se protéger autrement du soleil. Déjà, éviter les heures chaudes, mettre des vêtements couvrants. Les bébés, on ne les met pas au soleil, ça c'est indispensable. Et ensuite, effectivement, il faut regarder les étiquettes, mais c'est pas du tout évident. On a l'impression que tout est fait pour qu'on n'y comprenne rien. Donc nous, on a fait un classement. Il y a des grosses différences selon les crèmes. Il y en a qui contiennent 15 substances préoccupantes, il y en a qui n'en contiennent qu'une. Donc il faut se reporter à notre classement. C'est pas évident. Votre classement, rapidement, on le trouve sur Internet ? Tout à fait, sur le site d'Agir pour l'environnement et sur le site de WCF France. Eh bien, merci pour vos conseils, Magali Ringot. Bonne journée.